Guess loose. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Jetzt Appetit Elsassisch. Petite leçon d'alsacien pour celles et ceux qui n'y comprennent rien, par Evelyne Troxler et Radio MNE. Librement inspiré du livre Leçon d'alsacien, Stolzi uf unsere Sprach, par Yves Bisch et Edgar Zeidler. Bonjour Evelyne et bienvenue sur Radio MNE pour la suite de nos aventures en alsacien. Quel mot allons-nous découvrir aujourd'hui ? Eh bien, comme nous sommes en période de changement de saison, n'est-ce pas ? Jahreszeitwechsel, nous allons parler un petit peu de Entgiftung, de détoxication, n'est-ce pas ? De désempoisonnement. Et en Alsace, on a plein de plantes qui nous permettent de nous entgifta, de nous désempoisonner. Par exemple, la plus connue, c'est le pissenlit, le petsaïr. Toujours le dernier mot qui compte, la dernière partie du mot, saïra, ça veut dire pisser, et pet, ça veut dire lit. Donc petsaïr, pissenlit. Donc, pour pisser au lit, il y a bien sûr plein d'autres mots alsaciens. Hein. Ça se décline du plus gentil au plus incorrect. Est-ce qu'on peut faire un petit tour dans les différentes façons d'uriner en Alsace ? Eh bien oui, bien sûr. Alors ça ira, bien sûr, c'est très vulgaire. Il n'est pas question de l'utiliser. On a un autre mot tout aussi vulgaire qui signifie uriner, qui est brunsa, mais tout le monde connaît ça, brunsa. Mais c'est pas bien de l'employer, hein, surtout pas les femmes, les hommes éventuellement. Voilà, alors surtout ne répétez pas après moi, brunsa. Bien sûr, il faut pas le répéter. Il faut pas non plus répéter ça ira, hein, très important. Alors pour les enfants, comment on va faire ? Ben, on va dire tout simplement pipi mora, faire pipi. Oui, pipi mora, ça, je pense qu'on a le droit de le dire. Tout et donc, fait. Que tous les enfants qui ne parlent pas alsacien, bah, ils peuvent apprendre ce mot, peut-être, pour commencer, hein, qui peut servir tous les jours face aux parents, pipi mora. Mm-hmm. Quoi d'autre ? Il existe encore d'autres mots pour... Il y a quelque chose d'assez correct qui est svosr obschloga, c'est-à-dire rejeter l'eau. Svosropschloga, ça c'est tout à fait correct, mais ce sont aussi que les hommes qui vont utiliser cette expression. Pour les femmes, on n'a rien. Alors les femmes n'urinent pas en alsacien. Non. Hein. C'est non. Tellement non. Plus simple. Merci pour cette nouvelle leçon. Merci Evelyne Troxler et à bientôt pour la suite des aventures alsaciennes sur Radio MNE. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Nunta pukle. Jetzt Appetit Elsassisch. Petite leçon d'alsacien pour celles et ceux qui n'y comprennent rien, par Evelyne Troxler et Radio MNE. Librement inspiré du livre Leçon d'alsacien, Stolzi uf unsere Sprach, par Yves Bisch et Edgar Zeidler. Mina, Papa hätte Korb für